fin du suspense. L'attente a été longue et même trop longue. Hein. Hier, puis gros nouvelle journée, c'est ULCC qui rend public rapport d'enquête les produits sous enquête, bien sûr, yo tap mené dans quatre dossiers BNCA qui impliquait un ancien président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. N'a parlé là de Raoul Pascal Pierre Louis, trois conseillers présidentiels. N'a parlé là de ancien ambassadeur diplomate Smith Augustin, qui lui-même c'est représentant coalition aidée Red Compromis Historique en dans CPTA. N'a parlé de maître Emmanuel Vertilaire, qui c'est avocat, qui c'est ancien juge d'instruction, qui lui-même représentait parti politique Petite Dessalines en dans conseil présidentiel transition. N'a parlé tout de Louis Gérald Gilles, ancien sénateur, qui lui-même c'est représentant encore 21 décembre en dans CPTA. Donc il était question pour l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, et bien fait lumière sous un ensemble d'allégations comme quoi trois conseillers président nous sous cité là t'a mandé ancien président conseil BNCA 100 millions goudes pour reconduire à la présidence du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Nous t'étant annoncé ça, ce rapport de l'ULCC, c'était quand même le rapport le plus attendu dans toute l'histoire de l'institution. Par contre, si me frappe trop fort, on a des hommes, guerriers du seul. Et m'a demandé, est-ce que c'est pas rapport qui plus lu dans toute histoire, institution également. Pour quantité moun qui a écrit hier sur téléphone privé pour demander voyer version électronique rapport pour eux, pour eux même y a le fourni j'ai gardé de par eux même, hein, qui ça qui dit dans document, et va même garder sous sa média rapporté des monde qui pas habitué crime, des monde qui écrit pour la première fois, parce que mon yeux quand même t'ai une curiosité pour aller garder qui ça qui en dedans rapport ULCCA. Nous pas pral fèl, j'en habitué fèl à chaque fois qu'on rapport ULCC qui sorti, côté nous souligner des bagages qui extrêmement important, et puis nous partager ensemble avec auditoire pour la simple et bonne raison nous supposer, hein, nous pas toujours tromper que un maximum de monde qui lit rapport ça, contrairement à l'autre rapport ULCC qu'on sorti par le passé. Cependant, même gens avec un pile monde qui déjà li rapport, nous autres dans espace ça là nous gagnons des considérations que le témoin même qui parle là, que le té Ronald les hommes avec guerrier du seul qui partage panel là avec nous, que le té Dieu donné Grégory n'importe qui est capitaine là sous 94.5 là ou bien sous différentes plateformes radio télévision Caraïbes sous internet. D'entre Dieu, guerrier du seul, moi quand même saluer courage enquêteur ULCC. Moi quand même saluer courage directeur général
unité de lutte contre la corruption. Dieu seul sait combien de pression qui était sous deux mondes par rapport à l'attente qui était gagnée concernant un document pareil. Dieu seul sait combien appel yo t'a recevoir, combien monde qui t'a soirée le dit qui ça va aller, est-ce qu'il m'en forme, est-ce qu'on aime bien placé, soit des amis qui t'a contacté pour qu'on ait, est-ce qu'on est à l'abri, comme ça tout nous va écarter possibilité de gagner des pressions tout. OK, au niveau de personnel ou bien des monde qui impliqué dans le cas de production rapport d'enquête ça. Nous pas pral dire salut parce que vous font travail au père, vous font travail extraordinaire loin de là. Nous saluons quand même parce que vous avez courage, si vous voulez, accouchons bagaille. Maintenant, ce document que nous relé rapport ULCC sous dossier, est-ce que le pral aider à quelque chose? Point d'interrogation. Est-ce que le pral ouvrir on l'autre fenêtre là sous crise pluridimensionnelle que nous avons déjà gagné en d'un pays à point de dérogation. Moi, tout le monde connaît qui support nous bail ULCC derrière micro ça. C'est incohérent de notre part, même j'ai l'autre monde tout qui dans la même direction avec moi. Pour nous résoudre, pour l'autre, pour nous deviner la matinée, pour nous dire ah, rapport ULCC a pas bon, il faut jeter ça à la poubelle, etc. Ira. Donc nous autres, les gens des mondes qui qu'on dit, nous qu'on courir d'ailleurs, nous qu'on dit si effectivement rapport dans jeu pas nous gagner des failles, si nous estimer rapport gagner des bails qui pas paraît trop clair la donne, étant donné que c'est pas une décision de justice bon côté le bralé, donc il y a possibilité pour nous mobiliser tout ça la loi ban nous comme moyen pour attaquer lui. Mais arrêter pour dire ah il pas bon, soit parce qu'il pas en faveur ou bien soit parce qu'il pas fort plaisir ou il pas fait groupe pour plaisir, nous pas encourager ça, il pas bien encourager quel que soit rapport que tu as produit sur quel que soit dossier. Par contre, là, on a des hommes. Cependant, étant donné que moi-même, comme citoyen, moi-même, comme journaliste, moi, j'ai gagné des préoccupations par rapport à ça que tu dis, ou d'accord que j'ai gagné des attentes, ou d'accord que même j'ai un paquet de monde qui attendait la matin, moi, j'ai gagné des questions, les unes plus pertinentes que les autres, sur tout ça que tu as dit concernant le dossier. Ça. Et, une institution comme organe d'enquête, nous pensons qu'il était capable de venir avec des éléments de réponse, ou bien des réponses proprement dites, pour nous, dans le cadre de dossier à l'IRL ULCC. Quand il y en a, si on parle avec Mauricio Dim Johnny Ferdinand, qui sa questionnement y a-t-il? Qui sa question y a-t-il? Et l'offre de rapport ULCC, qui sont documents de 12 pages, est-ce qu'on édifie? Est-ce qu'on estime que question yo enquêteur yo répond à yo? Laisse à moi même garder réponse. Parce que écoutez bien. Au départ, qui ça baladé? C'est que grand monsieur qui relit Raoul Pascal Pierre lui. Monsieur ça c'est ancien président au conseil d'administration Banque Nationale de Crédit. Monsieur a expliqué à travers une lettre livrée par le Premier ministre Gary Conil le 24 juillet 2024 que gagnait trois conseillers à un autre citoyen qui mettait main en bagarre dans ni pour bail 100 millions goud. OK, pour le capable rester dans tête conseil d'administration BNC ou bien pour le capable reconduire lui dans tête BNC. Ça c'était accusation en pile parole à parler avocat Raoul Pierre lui prend la presse, li a soutenu dénonciation client là, etc. Et gagnant monsieur conseiller qui indexé qui dit rejeté de revers de main cette série d'accusations.
yo genyen représentant yo ki pran défans yo, genyen ki constitue cabinet d'avocat yo ki bay conférence, gen moun ki mande pou yo démissionner, gen l'autre ki di yo joui de sa ou les présomptions d'innocence, etc. Donc moi-même comme citoyen et comme journaliste à la fois, dans tout ça que t'as discuté, ça que t'as dit yo, moi t'as dit tête moi. Un, est-ce que effectivement 100 millions de gouttes là t'es mandé vrai? Deux, 100 millions de gouttes là, est-ce que c'est pour chaque conseiller? Ou bien 100 millions de gouttes là, est-ce que c'est divisé, t'as pas le divisé en trois? Toi, m'te dit, qui conversation ni accusé a, disons ni accusé yo, ni accusateur a te gagné au point que pour gagner des demandes ou bien des propositions, 100 millions de gouttes qui t'a fait. 4, de expliquer pour qui ça c'est après rencontre fin fait, c'est après ça que t'as dit yo, après réunion fin fait, dîner fin fait, dénonciation vini. Il y a des gens qui vont ajouter plusieurs autres questions encore, ou dans les hommes. Eh bien, si moi-même, je parle à vous là, je dis comme ça que l'aime fin li rapport ULCCA, je ne vais pas jouer des réponses à la question. Je suppose que pas estimer mal trop fort. Comme vous li rapport à tout. Vous avez dit, par contre, vous comprenez. Parce que c'était ça l'idée. Yeah. Mais, les maps li rapport, je viens de me rendre compte que ULCC li prend déposition Raoul Pierre-Louis, li prend déclaration conseiller indexé, li rapporte yo, pas grand rien de nouveau que la prenne nous. Pas grand rien qui dit autour de question 100 millions goud là qui pas dit dans la presse déjà, que avocat Raoul yo pas parlé de lui déjà, que nous-mêmes comme journalistes dans travail supplémentaire nous fait que nous pas gagné déjà, qui pas dit tout dans procès verbal juge de paix Pétionville là qui prend la rue que nous pas trouvé déjà. Par contre sur là, par contre ULCC mène travail à son terrain et me pense c'est terrain ça qui t'a qu'à intéresser nous-mêmes. Et si jamais il y a des éléments en plus que n'apprenne, c'est sur terrain ça. Et qui ça terrain c'est terrain carte de crédit. Par contre, vous comprenez? Donc, pour nous autres, nous pas en mesure, si vous voulez, pour nous dire oui, ULCC répond à une série de questions de gain autour de questions 100 millions de gouttes là. Mais ULCC, notre travail, il y a mené sur un terrain. Probablement un terrain ça, il y a des gens qui ne sont pas même. Bah, tout est important ça. Même si vous êtes d'accord que il était fait partie de ça qu'a dit. Par exemple, ou son j'aime d'abord expliquer le bon matin, guerrier du seul, dit si yon émet des cartes de crédit, avant même moi-même, moi ballon paquet d'importance, faut me garder. Est-ce que le rentre dans le cadre un service de la banque? Est-ce que concerné ou bien moun qui détenteur de cartes yon yote produit en demande conformément à agence à tracé comme pour ces de banque là? Est-ce qu'il te respecte tout règlement, tout principe? Que banque lui-même li mettait pour n'importe qui est culte X ou Y mon carte de crédit. Et puis me dit moi si ça a été fait li pas ta capable un problème de ce fait ça qui intéresse moi pour l'instant c'est les 100 millions de gouttes. Mais là mal li rapport ULCC mal relil me vient comprendre que 100 millions de gouttes là pas ca prouver. Et ULCC dit pas qu'à prouver, c'est parce que Raoul Pierre-Louis n'a pas disposé de 100 millions de gouttes pour le monsieur. Et pour l'ULCC, comme Raoul Pierre-Louis lui-même te dit qu'il a demandé 100 millions de gouttes et que il n'est pas en mesure de 100 millions de gouttes, il fait des nègres, pas des nègres, il fait de l'autre proposition à Nagyo. Qui proposition le fait selon ULCC? Il dit Nagyo. On capable faire nous joindre un prêt. On capable faire nous joindre en ligne de crédit ou bien il des listes de biens qui ont exploitation de la banque. Par exemple, caille banque là c'est saisi ou bien qui pour BNC
capable faire nous soit acheter ou autre. Et puis en dernier lieu, selon l'ULCC, Raoul Pierre lui dit on capable faire nous joindre un carte de crédit qui a une limite de crédit maximale de 20 000 dollars américains. Est-ce que vous là ou n'allez des hommes? ULCC expliqué dans le rapport là, après la rencontre qui était faite dans la chambre 408 Hôtel Royal Oasista, mon deuxième rencontre était faite 8 jours après dans la résidence privée de M. Raoul Pascal Pierre-Louis pour être capable de continuer la discussion. Qui est la discussion que vous avez noté? Selon sa accusateur lui-même lui fait comme déposition, selon sa ULCC lui-même lui rapporté dans le document ça, monsieur te mandé Raoul 100 millions de gouttes. Mais qui est-ce qui dit ça? C'est Raoul qui dit ça. Donc c'est pas ULCC qui vient avec des éléments avérés ou dit effectivement oui nèg yo te mandé comme là. C'est encore selon Raoul. Parole Raoul contre parole monsieur, même si confrontation pas arrivé faite. Eh bien, ULCC explique comme Raoul pas disposé de 100 millions de gouttes là, il pas gagné 100 millions de gouttes là, lui proposer nèg yo de l'autre bagaille. Mais toujours selon l'ULCC, en échange de sa reconduction à la tête du conseil de la Banque Nationale de Crédit, conseil d'administration pour être plus précis. Et on reprend, lui proposer Negyo, c'est soit lui faire jouer un prêt, c'est soit lui bailler en ligne de crédit, ou bien lui capable de lister un ensemble de biens qui hors exploitation de banque là, fait Negyo bénéficiel, et puis lui capable de bailler tout en cadre de crédit. Avec une limite de crédit maximale de 20 000 dollars américains. Et après la rencontre, 25 milliards, Smith Augustin, d'après même parole de l'État Palio avec Gérald Gilles, allait dans la deuxième rencontre, allait manger la caille Raoul dans le cadre d'un dîner, selon ça qui dit là, que M. Pierre-Louis lui-même était organisé en honneur à deux conseillers présidents. Et ULCC dit, li gen nan men photo dîner ça. Et c'est monsieur Raoul Pascal Pierre-Louis qui bay photo yo côté nèg yo manger, côté nèg yo bien chita, bien habillé, etc. Et ULCC dit, d'après déclaration Raoul, en dans procès verbal, juge de paix Pétionville là, et bien membre CPT yo nous autres cité là, après discussion, yo finalement accepté proposition 4 de crédit. Ya. Donc ça veut dire au départ, pendant la première rencontre selon l'ULCC, il y a beaucoup d'accord. Vous comprenez bien? Ce n'est pas dit l'ULCC dit là, mais c'est ça laisser entendre. Pour une rencontre qui fait, il a demandé 100 millions de gouttes. Raoul dit le pape Kabay 100 millions de gouttes. Mais le pape Kabay 1, 2, 3, 4. Il a été réticent selon l'ULCC, il n'y a pas d'accord. Et puis à la 8e, selon l'ULCC avec Raoul, il y a un dîner fait. Et c'est après dîner que il a finalement d'accord. 4 de crédit. C'est ULCC qui a parlé, qui reprend parole Raoul ensemble avec ça que tu dit dans le procès verbal là. Mais qu'on y a là, concernant l'émission de ces 4 de crédit, nous autres, nous relevons certaines incohérences, nous relevons certaines ambiguïtés. Parce que, on organe d'enquête dans la trappe ULCC, n'importe quel travail qui fait là, nous supposons, lié à un grand objectif. C'est dissiper des doutes. Par exemple, yon dit que Dieudonné te levé bouteille ça. Dieudonné dit non, le bat levé. On a des hommes qui disent oui, le déwel. Et bien, yon dit, mais pour nous sommes capables de faire un débat, nous avons fait une enquête. Et l'enquête là menée par une instance qui est compétente en la matière. Donc, les gens qui suivent l'enquête là, ils ont grand bal à tant comme élément de réponse. Est-ce que bouteille a été levé vrai? Qui est-ce? Qui te levé et à partir de qui ça, vous rendez compte que le te levé et c'est un tel qui te levé. Je ne sais pas si vous comprenez, Ronald Desom. Quand vous allez aller dans le cadre du crédit, je vais avancer dans l'enquête là, dans le rapport d'enquête là, probablement que nous lisons tout. Je vais regarder la date de émettre 4 yo. Et c'est là que j'ai un petit problème. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là que j'ai un petit problème. Pour pas aller à l'enquête, si Raoul Pierre lui lui proposer nèg yo ça parce qu'il va gagner 100 millions de gouttes là, et bien déduction effectivement, donc gagner
selon ULCC, un pack de corruption, pas vrai? Mais quand on a regardé l'émission 4, il dit comme ça que dans le rapport que vous avez Smith Augustin en 4 à toute Lonique Léandre le 15 mai. Alors, pour moun yo konnen, parce que Lonique Léandre là, il n'est pas venu dans le débat 3, c'est pendant le rapport à l'annonce à plus cité, je dis moun yo, ULCC présenté Lonique Léandre comme étant l'instigateur des négociations. ULCC présentait Lonique Léandre comme un ami personnel de l'ancien ambassadeur Smith Augustin. Yeah. ULCC présentait Lonique Léandre comme moun selon relevé numérique que Royal Oasis lui-même li baye ULCC qui te fait réservation chambre 408 là qui donc c'est dans chambre ni. Yeah. Negyo te fait première rencontre là. ULCC présentait Lonique Léandre comme moun qui te fait partie de quantité moun qui était présent en dedans et chamna les bayou t'a discuté. Donc ULCC dit bon carte de crédit qui émet le 15 mai. Disons deux cartes de crédit, yon pour Smith Augustin, yon pour Lonique Léandre. Comme on dit problème là. Ces carte de crédit yo, c'est résultat négociation yo qui fait sous deux rencontres. On rencontre à la chambre 408 le 25 mai et puis on dîner la caille Raoul 8 jours après. Donc comment on capte le crédit qui émet bien avant rencontre qui d'après ULCC c'est yo même qui a accouché capte de crédit a fait un lien. Ouais, qui lien gain. Non, et comprends pas comprendre. OK. Et comprends pas chercher comprendre pas donc. OK. Je vais prendre ça me dire pour vous. Yo dit yo bay Smith Augustin ensemble avec Lonique Léandre on carte de crédit qui est imprimé le 15 mai. Le 15 mai 2024. Par contre, première rencontre qui pral fait selon ça qui rapporté yo, pral fait le 25 mai dans chambre 408 dans hôtel Royal Oasis. Yo ça s'est dit discussion au pas abouti. Discussion yo, t'après le fini, 8 jours après dîner, qui te fait la caille Pascal là. Qu'on y a un dame, qu'on y a qui lien qui gagne, entre 4 et 15 mai yo, avec négociation qui fait le 25 et puis 8 jours après yo. Mais moi-même, je vais essayer de comprendre nos bagailles. Et c'est ça que je pense, ULCC pas de quitter comme ambiguïté. Il faut être précis. Qui ça me comprend moi-même? Le fait que ULCC explique dans le rapport, que Lonique Léandre c'est instigateur négociation yo et que Lonique Léandre te qu'on parler avec Raoul par rapport avec ça au jeune comme relevé téléphonique même avant rencontre 25 mai soit 18 appels yo joine 18 appels qui sorti sous numéro Lonique Léandre qu'al joine numéro Raoul là et période là c'est 15 mai au 27 juin 2024. On y a moi même sous-entendre, ça c'est moi qui a pas précisé. Nous sous-entendons que même avant rencontre 25 mai fait dans chambre 408 là, tu as gagné un débat qui t'a qu'à discuter entre tu as des antécédents et Raoul. Mais ULCC pas doué quitter ça. Alors les sous-entendre lui, les sous-entendre lui, le fait que il dit que c'est pas moi pour analyser, moi chercher gros ni. De période 15 mai hein, et jusqu'à 25 mai, il y a 18 appels que Lonique Léandre lui-même lui baille et ancien président du conseil d'administration BNC hein. Il sous-entend que tu as des négociations qui ont commencé faites déjà. Peut-être réunion 25 mai hein, c'est après une réunion pour sceller toute bagaille pour dire OK, nous entendons définitivement sur ça. Est-ce que comprendre parce que acte n'a pas commencé le 25 non. Bien sûr. Il va commencer le 25, c'est-à-dire que il y a deux antécédents, il y a deux préalables avant 25 mai. Hein? C'est peut-être et là que il y a le CCC. Oui, mais selon M. Pascal Pierre-Louis, donc, demande, la proposition, l'effet à concerner pour la place 100 millions de gouttes que vous demandez là. Pour que les capables bailler au cadre il dit permettre que vous joignez un cadre de crédit donc il fait le 25 mai oui OK il fait le 25 mai selon ça il dit dans le document
Alors, précision, ça vient, les mots très importants. Oui. Alors, ce que, quand, comment, l'ONIC, les gens, c'est le 15 mai. Oui, ça veut dire, c'est demande, alors, proposition, les faits à monsieur Yo. Les faits le 25 mai. Oui, il a dit, gon, écart. Alors, moi, ça me fait comprendre, monsieur, c'est que, comme négociation t'as fait avant, et que Raoul, Pierre lui peut-être arrivé dans circonstances côté que il pas qu'à bail comme là. Vous comprenez? Maintenant, il doit dire monsieur, m'pas qu'à bail comme là. Et c'est ça moi ULC c'est insinué dans le rapport là. Mais moi j'ai un ensemble de bail que m'ka offrir nous. Parmi eux, ligne de crédit que vous avez parlé là, de biens qui n'ont pas de patrimoine BNC que le pape utilise. Et puis, carte de crédit. Hein. Mais, carte de crédit, vous avez droit là. Comme vous avez, mais c'est comme là qu'on est arrivé. Parce que, pas oublier que vous avez un crédit maximal de 20 000 $ américains. Comprenez bien, oui? Et peut-être, bon, 20 000 $américains, bon, ULC s'est fait erreur tout dans. Dans calcul là peut-être pas que vin dans toi on va arriver sur ça guerrier zomba là moi veux comprendre Ronald et me veux mon yo comprendre l'ULC s'est retourné bien entendu à partir de déclaration accusateur là à partir du procès verbal tout retourné sur rencontre 25 mai yo expliquer clairement c'est dans rencontre là 100 millions de demandé et c'est parce que monsieur dit il pas disposé pour bailler 100 millions de dollars selon ULCC qui fait le proposer ça yo. Oui, là continue. Non, mon petit problème. Vous comprenez bien, oui? Si on dit bon ça que 5 millions de boules t'as parlé déjà dans le téléphone, etc. Que c'est Raoul qui te dit, que c'est ULCC qui te fait déduction, que c'est l'autre qui te dit, depuis le répéter seulement, nous devons prendre en considération. Mais selon ça que dit, ça que rapporté, c'est que première rencontre là, côté Raoul dit, depuis la rentrée dans la chambre, il prend téléphone, prend téléphone, il passe son blague. Hautement sécurisé. Ok, c'est après le bras rendre compte que monsieur est très sérieux et que monsieur dit, etc. Il est capable de faire dans la tête BNCA. Vous comprenez, patati patata, et d'ailleurs, on qui baille du genre, mais il faut qu'il baille 100 millions de gouttes. Et que monsieur a dit qu'il prend 100 millions de gouttes à monsieur, il n'y a pas besoin de lui, mais comme il n'y a pas besoin de lui, mais ça le propose. Oui, donc c'est là qu'il fait proposition. C'est là qu'il y a un problème. Par contre, vous comprenez, non? Donc moi-même qui gagne. Doute ça. Moi-même qui parle avec les ça, si je lis le document ULCC, il faut quelque part me dire. Mais ça, bah là, deuxième élément, la même question émission 4 de crédit, cap de crédit qui est imprimé. Pour Emmanuel Vertilaire, par exemple, pour Gérald Gilles, comprenez bien, il dit qu'il joue 4 paroi 2 jours après. Ouais, ça, nous n'avons aucun problème avec ça. 2 jours après, soit le 27 mai, il joue 4 paroi. Mais quand il y a côté de moi, il y a un petit problème. C'est que, ULCC dit dans le même travail là, négociation qui pral bay 4 la pral abouti ou bien pral conclu à partir du dîner qui fait 8 jours après. Par contre, si vous comprenez, non, monsieur? 4 Vertilaire là, ensemble avec 4 Gilles là, yon imprimé 2 jours après rencontre qui fait Royal Oasis là. C'est ça ULCC dit. Mais dans le même travail là, tout, moi, allé pis devant que. Discussion yo fin conclu, fin abouti, discussion yo fin. Nèg yo fin d'accord pour position 4 là. C'est à partir de rencontre qui fait dans fait la caille Raoul là. On dit j'ai perdu. Sous qui base discussion prend fin et que moun yo mette d'accord sous des 4 qui gèt en émettre. Là grand problème hein. C'est chercher m'a chercher. Ouais ouais, ça se comprend. Que moun qui a caille de me comprendre, aide me comprendre. Je ne sais pas si et ça, c'est mon cherche à comprendre. Et ULCC a expliqué que chaque 4 saillots gagnent des montants de dollars américains. Et pour m'arriver sur ça, on a expliqué. Par exemple, je dis pour Smith Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis Gérald Gilles, chaque ont limite de crédit sous 4 de 1,8 million gourdes. Qui est équivalent à 20 000 $ américains. Et puis, pour l'ONIC Léon, qui est consulat, il y a une limite de crédit de 1 125 000 gourdes, qui est équivalent à 12 500 $américains. Quand il y a là, ULCC font calcul. On a bien aimé. ULCC dit qui base les calculs en dollars américains, côté le DIM, 1 dollar américain pour 90 gourdes. En période ça, on a parlé de 2024 là.
Donc là, pas jamais. Non. Alors, ah, ouais, chercher m'a chercher pour prendre. Est-ce que le fait sous base bah on taux que on l'autre. Il pas même taux BRH. Ça va taux BRH. Non, il pas BRH. Il y a 131 à 132 gouttes. Oui, il pas taux BRH. Mhm. Par contre, vous comprenez. Ouais. Non, même logique carte de crédit, les ULCC dit l'a analysé, etc. L'a examiné, li joint que gagnent des transactions qui fait à partir de carte de crédit ça qui attire attention commission enquête là. Entre le 27 mai et le 11 juillet, ancien ambassadeur Smith Augustin a effectué 15 achats qui totalisaient 872 220 gouttes et 40 centimes. Donc selon ULCC, entre 27 mai et 11 juillet, 4 qui étaient dans mes Smith Augustin, qui te gagne un limite crédit 1 800 000 gouttes là, Smith gagne à dépenser 872 220 gouttes et 40 centimes. Mm-hmm. Mais attention, ULCC note que Smith n'a pas remboursé aucun argent à BNC jusqu'à ce que BNC décide de bloquer 4 là le 28 juillet 2024 parce qu'il va payer. Avant de faire considération sur non-paiement, bon continuer. Yo dit même décision ça BNC prend pour Smith là, il prend tout pour consulter l'unique client qui lui-même t'a fait des achats qui totalisaient 546 921 gourdes 60 centimes. Et aucun remboursement pas fait tout. Yeah. Ça veut dire yo pas payer 4 là, yo dépenser l'argent, yo pas payer 4 là. C'est ça ULCC dit. Mais il dit quand t'as ancien juge d'instruction Emmanuel Vertilaire, lui-même en 2 jours, soit entre le 1er juin et 3 juillet 2024, il fait 5 achats sur 4 LIA. 5 achats à eux, ben, ont total l'argent de 1 078 225 gouttes. En 2 jours. Mais il a le fort. Mais il a le rapide. Combien 1 million Ça l'a acheté comme ça. Il m'a dit qui ça Hein Il m'a dit qui ça a acheté comme ça Il c'est vraiment dit. Il va préciser ça. Il va pas préciser ça. Il va pas préciser ça. T'as regardé, c'est parfum, ah. Chaîne. est-ce qu'ils sont. Ah, on Baronnais. C'est qui de mettre là, les machines là. Et puis, il dit comme ça que. Et M. Emmanuel Vertilaire, il a commencé PBNC. Mais attention, il a commencé PBNC dans le moment enquête la lancée. Okay. C'est ULCC qui a parlé. Et comme ça, pendant l'audition dans ULCC, mettre Vertilaire ou mettre commission enquête là deux fiches dépôt qui totalisaient 157 000 gouttes. OK? Vertilaire dépensé sous 4 liards d'après ULCC 1 078 225 gouttes 61 centimes, mais il remboursé seulement 157 000 gouttes. Alors que entre 1er juin et 4 août, juin, juillet, août, ancien sénateur Louis Gérald Gilles lui-même, il fait des dépenses à partir de 4 pales là qui totalisait 1 027 336 gourdes et 82 centimes. Et on dit, Louis Gérald Gilles fait seulement un grand remboursement. Li bail 55 700 gourdes le 2 août, suivant où il veut communiquer par la BNC à l'ULCC. 55 700 gourdes. Mais ça, nous t'avait expliqué tout à l'heure. Barat est capable d'un scandale. Dans la mesure où un citoyen ou bien un fonctionnaire, bon, comme dans ce cas, nous parlons de un fonctionnaire, lui-même, il a décidé de bénéficier ou bien gagner un cadre de crédit et que lui suive pour normal. Nous allons voir avec ça. Lui-même a décidé de dépenser. Et puis, la banque, dans le contrat d'engagement, dit mais comment il doit payer. La banque a le droit tout s'il pas payer. Il y a des mécanismes à la disposition, soit pour bloquer 4 là, ou bien pour continuer à payer. Mm-hmm. Jusque là, c'est pour ça le problème. Non. Par contre, vous comprenez. Quand il y a ça qui va attirer l'attention, c'est là que l'ULCC va le déduire. Je n'ai pas couru faire dépenser ça, avec rapidité, je n'ai fait dépenser ça. Ça sous-entend que je n'ai pas couru retirer l'argent et que ce n'est pas vous qui avez payé. C'est à Raoul, bien lui, qui a payé. L'âme perdue. L'âme perdue. ULCC, même j'ai avec moi, même j'ai avoué, même j'ai guerrier qui a analysé. ULCC, non. Subjectivité, non. Déduction, non. Anticipation.
Vous comprenez bien? ULCC dit Jean Louis Negu a dépensé l'argent, c'est comme si son argent qui est disponible en côté, mais comme c'est pas vous même qui a payé, ou a couru retirer le couru gaspiller. Donc pour les enquêteurs de l'ULCC, cette diligence constatée, si vous voulez, dans Jean Negu a dépensé l'argent, vous comprenez? Sous-entend que Negu a couru retirer comme là parce que c'est pas vous qui a payé, c'est à Raoul Pierre qui a payé. Donc de ce fait, vous comprenez? Okay. Pour ULCC, ça quand même rentré dans bail qui louche qui apparenté sous les mais yo pas joint dans quel dépôt par exemple qui fait sous 4 ça yo on dit que l'argent t'a sorti dans main et Raoul Pierre lui non il c'est pas analyser ça OK elle dit dépôt qui fait par exemple vertile FA et nous j'ai le FA il fait yo c'est dépôt dépense. Non mais il fait dépôt. Il fait dépôt, remboursement. Remboursement. Oui, oui, oui. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Okay. Mais c'est Samdou. C'est Samdou. ULCC lui-même lui dit, je n'ai que dépensé l'argent pour lui son indiscipline financière dans la gestion 4 là. 4 bénéficiaires gèrent 4 là très mal, selon ULCC. OK? Elle dit comme son l'argent l'État. On va, au même, il gaz l'État. Au même, c'est bien l'État, il a gaspillé. Smith pas bah en clou non ça se bloque là tu dis le nucléaire baba en good c'est baba en good jusqu'à ce qu'il bloque là jusqu'à ce qu'il bloque là mais ça dit on dette combien pour banque là logique oui et c'est mais ça pas qu'au problème non moi je sais que beaucoup problème dans guerrier un citoyen ordinaire sous allemand dans 4 là il y a du mais 1 2 3 4 qui sa condition yo pour yo bon 4 là et puis il y a bon contrat d'engagement signé ou dit mais comment on va payer et cetera il y a du mais qui sa limite crédit yo et mes qui pénalité à payer à chaque fois qu'on retard non remboursement donc si banque là ouais son mauvais soir après fin bloqué 4 là il gagne tout ça la loi balé comme oui, pour instrument faire ça fait au départ moi même moi te dis question pour nous poser c'est pas carte de crédit non on a gagné est-ce que négoté respecter conditions pour gagner carte de crédit est-ce que pas bon question de favoritisme le fait que c'est non seulement des présidents dans vos grandes mais le fait que son proposition a échangé à un ballot d'agaille, là, il vient de poser problème. Et question, ça a eu LCC répondre. Oui, les essais de 4 préapprouvés. Que c'est seul direction, conseil d'administration qui a baillé. Oui, oui, c'est de 4 préapprouvés. C'est président du conseil d'administration même qui est intervenu pour que vous ne le cadre. Il y a un bâtiment de la voiture, monsieur. Il y a 4 sérieux, c'est les 4 préapprouvés. C'est seul conseil d'administration qui a décidé sous lui. Or, dans ce cas précis, c'est le président unilatéralement, pour contre lui qui décide, dit monsieur, nous avons un père, autorisation express, nous avons 4 là. Par contre, vous comprenez, non? Et c'est là où il y a un problème à poser. Et là, il y a un problème à poser. Mais moi-même, moi, anti-gen inconfortable avec appréciation ULCCA. Parce qu'on a qui ont 4 guerriers du seul. Ils ont le crédit, ils ont dépensé le jour. La proposition. Oui. Convenez bien? Oui. Si on dit comme ça que mon 4 là même que le ton 4 de débit. Bon dit on 4 de débit. Yo dit m'ta prend 75 000 gouttes dans jour. OK? Si me décide me prend 6 000 et 30 000 gouttes là, me prend 25 000 gouttes de l'autre côté. Tout temps me beaucoup dépasser 75 000 gouttes là, business privé. Mais comment arrive 75 000 gouttes là, il a bloqué. Si me décide prend 75 000 gouttes là en seul couteau, même bagarre là. Il en est de même pour une carte de crédit. Si on dit que j'ai une limite de crédit de temps, pour moi par exemple, et puis je décide de dire non seul jour, je m'achète pour tout le même. Donc là, je n'ai rien à voir avec moi. Et moi, je connais que désormais, moi, acheté sur toute cette limite là, je n'ai pas utilisé encore et que j'ai une obligation de remboursement. Et ça, et ça fait me dire comme que moi, j'ai un petit genre. Il y a un petit problème avec conclusion. Par contre, dans Jean Katnabay là, effectivement, il y a problématique. Est-ce que là? Dans Jean Katnabay là, on dit que c'est la condition de dédouiller. Tu dois gagner conseil d'administration qui est penché sur ça, qui va être des 4 préapprouvés. Sans, même si le conseil a été manqué morceau, oui, il pas fou. Mais quand même, il y a de l'autre 4. Oui, c'est M. Raoul. Il dit que c'est M. Raoul qui décide, ok? De son propre gré, il dit monsieur, ma banota. Ça paraît suspect. Ça, c'est soupçon de corruption, madame. Oui. Ça paraît suspect. Par contre, vous comprenez. Et ça n'a pas qu'à jouer en faveur, conseiller président, c'est qu'il a auditionné
directrice succursale BNC qui dans Royal Oasis là, yo auditionné directrice responsable 4 là en dans BNC. Yo tout dit yo même comme 4 dans banque là. Yo pas tout pour moi le bail comme ça, c'est monsieur Raoul personnellement qui prend décision ba négo 4 là. Et m'gal nous a calé plus loin. Yo c'est ça expliquer que conseiller président yo dit c'est dans village d'accueil là, yo te voyons une équipe. OK pour aller proposer un service là et que eux même ils va aller. Ce que madame n'a démenti. Madame n'a dit jamais pas de dire ça. Non, non, rapport là. En parlant de directrice c'est OK. Cherchez nous loin on regarde. Bon. On est moi on parlait de directrice c'est succursale. Succursale qui dans BNC. Madame Marie Michel Lui. OK. OK. Il dit à aucun moment yo pas de voyer des agents de marketing dans villa d'accueil pour aller faire proposition service carte de crédit. Cependant, il dit t'es bon équipe BNC qui t'allé pour aller parler avec Smith et Vertilaire Gilles, mais c'était pour ouverture compte d'épargne avec chèque. Compte d'épargne chèque. Est-ce que c'est moi qui dis moi pour Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire, Louis Gérald Gilles et Lonnie Cléade. Et il dit qu'on s'est jusqu'à présent jusqu'à la clôture l'enquête est inactive. Il a dit pas grand pas grand qu'un dépôt pas grand fait sur OK. Par contre sur non. Alors ça qui est important pour nous comprendre la soupçon de corruption que n'a pas parlé hein. Si des grandes démarches d'ailleurs rapport expliquer ça à tout Johnny. Si des grandes démarches qui loyal qui légal c'est que l'étape en faveur toutes neuf conseillers présidents. Vous comprenez? Les patrons qui ont fait non chambre hôtel, ils ont fait normalement dans la villa d'accueil là et que tout conseil président a bénéficié quand là. L'ULCC souligné ça dans le rapport là. Ils n'ont pas fait pour trois conseillers seulement. Vous comprenez? Donc le fait que le fait pour trois conseillers seulement, il paraît suspect. Et. Je me suis dit que je n'ai pas la parole, je me suis dit sur ULCC. Je dis que le taux $1 pour 90 gouttes là, son taux préférentiel c'est BNC. BNC Bailey. Ah, ok. Elle dit $1 pour 90 gouttes. Elle dit qu'il est réduit. Par exemple, 90 gouttes, elle dit qu'on n'a pas l'argent qui est perdu là. On dit que toi c'était 130, 100 combien de gouttes. Oui. L'autre élément qui va attirer l'attention sur son joli. Avantage. L'autre élément tout qui va attirer l'attention sur lui, c'est ce que je t'explique là. L'autre tapement de guerriers qui bande et qui rapport qui gagne entre les quatre là, ils mettent au nom de de Smith Augustin. C'est à la compte qui était faite avec 5 milliards. Ils disent que c'est continuité négociation. Oui, ça c'est ça. Donc, c'est le client qui était instigateur des garants. Et c'est monsieur qui bénéficiait de 4 là en vente avec Smith. Okay. Est-ce que. Bon, par contre, comme c'est pas domaine, pas, on va le voir monter. La question fixée, tout, bah, c'est pas BRH qui fait ça. Par contre, comment on va fonctionner. Bref. Ah, oh, monsieur. En tout cas, il y a des déduits, je vais dépenser l'argent, etc. Donc, il y a quand même ces problèmes. L'autre élément qui attire l'attention, c'est cette fameuse question. Il y a plusieurs gens qui ont écrit là qui disent pour 4 de crédit à 8 ou à 90 gouttes. Bon, ça veut dire l'autre monde qui n'est pas forcément impliqué dans la. Bref, l'autre élément qui attire l'attention, monsieur, c'est cette fameuse question de 25 millions. Privilège que président. Je me disais bon, par contre, ils sont mes interprétations. Par contre, ils sont. Comment vous voulez ça? Retranscription, l'air ou prend parole pour nous. Pas jeune moi, non? Par contre, ils sont mauvaises barres comme ça que fait. Ben, 25 millions de gouttes privilège, par contre, c'est ça. C'est ça que tu as dit ou que tu as dit. Le Smith Augustin, selon ULCC, a partagé avec l'enquêteur qui ça on conseiller président d'écouter l'État haïtien mensuellement. Au songe et paragraphe ça dans le rapport et guerrier. Qu'est-ce qu'ils ont 20 millions de gouttes là? Oui, 25 millions de gouttes là et ULCC dit son bail qui préoccupe. En pile, ok.
et le Smith Augustin a déclaré privilège à l'avantage personnel. Oui, alors non, page 9, président. Page 9. Là, nous sommes à la page 9 du rapport. Et vous expliquez pendant la déposition de la commission enquête là, demandé pour le préciser hein, tout avantage que le gagnait comme conseiller président. Et c'est-à-dire différents revenus ensemble avec l'autre élément encore. Et mais ça te répond. Et enquêteur directement. Salaire de 220 000 gourdes. On a parlé de salaire mensuel. Donc chaque conseiller président touchait 220 000 gourdes. Yo gen ki yon chèque qui représentait un tiers dans salaire yo yo ba yo tout comme frais de fonctionnement et puis yo ba un frais de résidence le mois de 400 000 gourdes. Yo gon frais d'intelligence pour la présidence de 25 millions de gourdes mensuels. C'est là m'pense qu'il y a un problème là. M'pa quoi si chaque conseiller yo ba 25 millions de gourdes. Là gon mise interprétation. Ça c'est pour tout conseiller. Mais pas pour la présidence. Alors c'est pour la présidence. Et là, il y a ça problème dans tout. C'est pas pour conseiller. On a eu le débat, il fait le tour d'intelligence. Même s'il a 25 millions, il a 30 millions, il a 50 millions, c'est pour la présidence. Mais attention, il prend un bail bien précis. Pour intelligence, c'est pour la commande qui conçoit intelligence à eux-mêmes. Chaque mec a intelligence par eux. Est-ce que c'est un petit homme qui a pris le portail? Est-ce qu'il y a institutionnalisé qui sont intelligents ou bien et si l'intégration c'est le président, c'est le président qui est copié dans le même gérer l'intelligence déjà le vle, ou bien l'intégration arrivé là avec 9 conseillers présidents, ils ont simplement divisé comme qui pour 25 millions. Bon, je suppose qu'il y a par 9. Ils ont divisé par 9 et puis chaque monde a continué à faire la ok. On fait ce pays, on fait ce pays. Malgré que nous avons 4 pays, 405 000 gourdes. Et 500 000 gourdes. 500 000 gourdes. Chaque mois. Chaque mois, oui. Bon de carburant, gaz, fiche gaz. En plus de comme ça, l'État va 250 000 gourdes gaz par mois. Et puis pour 4 téléphones, 20 000 gourdes. La gars, on plan le faire mettre là sur le téléphone. On plan 2000 gouttes. Non, mais chaque fois. On plan 3000 gouttes. Et vous parlez, vous avez internet. Mais là, la gars, l'international l'a fait. C'est bon, vous avez fait WhatsApp. Vous avez fait WhatsApp aussi. Pourquoi est-ce que les gars sont partis? Est-ce que WhatsApp vous avez fait? Vous avez fait mais c'est pas là qu'on y est. On me dit non, pas. Et au fond, ça fait un pile fois, il y a des privilèges, nous sentis. Qui coûte trésor public là comme un pays pauvre et propre comme c'est pas parce que moun yo ta ka gen problème avec on moun ka joui on privilège qui a la fonction non c'est parce que nèg ici lè on série de poste tellement pas bay résultat qui vient faire que gen des bagages qui ta ka revenu de droit comme haut fonctionnaire comme officiel population ou bien moun kap sou obligé remettre en question ou diket qui ça interdit-il pour jeune tout bas ça par contre je comprends bon série de l'autre pays n'a pas de pays étranger il y a des monde qui ont série de fonctions importantes il y a de grands privilèges qui a la fonction mais qu'on y a là c'est privilège pour quel résultat parce qu'il faut d'accord tout Jean même Jean-Pierre toujours même dit faut pas arriver au niveau pour corporatiser l'état tout non ça veut dire si on est président on est premier ministre on est par on est son gros cadre son gros fonctionnaire lié des li vinn paraît impérieux souvelé pour eh ben n'a pas travail Johnny écoute moi même pas comprendre logique ça comment on est fait ou entrer dans l'état et puis ou gagner 400 combien 1000 gouttes par mois comme seconde résidence parce que ne pas corporatiser l'état comment on fait rentrer dans l'état ou gagner 400 500 000 gouttes le mois comme et sur carte de crédit non pas même crédit non carte carte débit carte débit est-ce que comprendre plus ou $20,000 américains carte de crédit encore mais monsieur sont sérieux non ça raison notre bail lui même non mais la donne les la donne pas obligation monsieur non non pas dans ce cas pas dans ce cas-ci dans ce cas-ci la donne alors on dit Donc, si nous retirons le malvel, mais là, donne dans ce cas-ci. Est-ce que vous comprenez? Donc, monsieur, c'est pas quoi. Et puis, n'a pas parlé là d'un pays. Et c'est là, oui, qu'on a parlé de déséquilibre économique dans le pays. Bah, pas sur le bord. Pendant que ça a gagné 250 000 gouttes carburant pour machine, li. On pouvait se toucher 50 000 gouttes ou bien 25 000 gouttes. Il va pas toucher comme là le mois, non?
Est-ce que vous comprenez? Donc, comme disparité économique, exactement. Oui, on a largesse. Mais ça quoi? Et ça quoi? Il y a toute bataille ça pour pouvoir. Mais c'est pas sérieux. On a touché 220,000 gouttes. L'État mettait 20,000 gouttes 4 sur le téléphone. On a offert tout ça, mon copain. Ah, cher. Pas besoin de mettre là un plan, mettre là 3 000. On a offert tout ça. L'État a obligé pour ça. L'État a obligé pour gaz, vous mettez dans la machine. On a offert tout ça. On a touché pour lui. Professeur, il a pris un camionnette. Il a 25,000 gouttes la touché. Et là, il travaille chaque jour. Tu as préparé toute ton génération. Préparer toute ton génération, mais pas possible. Non. Pas possible, monsieur. Oh. C'est aussi dans depuis que tu dans l'état, tu n'as pas gagné le café pour tête, non? Et malgré tout, plus gros corrompu, généralement, il n'y a que ça. Tout ça, il y a trop petit. Tout ça, il y a comme privilège, il y a trop petit. Trop petit. Monsieur de grâce. En tout cas. Alors, bon, moi, avant Johnny, moi, ULC, c'est bon. C'est me carré les propositions. Donc, il dit le fait que Smith-Augustin. Et déclaré montant intelligence là dans rubrique avantage, ok, et ok, qui pas aucun frais comme il dit, donc mais c'est moi qui ai suggéré pour que un plus bon encadrement, ok, avec une meilleure gestion qui fait à travers une structure centralisée en façon pour anticiper gens peut-être capable de démorceler. Et séparé, séparé, partagé, et comme ça. Donc, ils ont estimé que si ça n'est pas fait, donc capable toujours de problème. Là, on a parlé de l'argent pour intelligence là. Il faut qu'on structure qui gère elle. Ouais. Au lieu, c'est nommé chef l'Alvini chaque mois. Et en liquide encore, comme oui, ça. Oui, en liquide. Et puis, pas de trace. Il n'y a pas de budgétisé, pas de rapport que l'État pour mettre. Pas de trace. Oui. Oui. Pas qu'une trace, parce qu'on ne peut pas dire mais qui est sous bail quoi pour faire intelligence pour intelligence son secret. Monsieur. Mais en tout cas, ILC c'est clair. ILC c'est dit, et guerrier, onal que Raoul pas de 100 millions de gouttes là, il était proposé dans le cadre de crédit. ILC c'est dit, après pratiquement deux rencontres, négocié finalement d'accord sur cadre de crédit. ULCC dit négociation a commencé bien avant rencontre qui était fait Royal Oasis là, mais on d'après elle prend fin dans dîner qui était fait Kaira Raoul là. Nous sommes rencontre Oasis là fait le 25 mai, dîner a fait 8 jours après. ULCC dit négocié joindre 4 là. Chaque conseil a 4 qui ont limite crédit 20,000 dollars américains chaque mois sous lui. ULCC dit chaque conseil a dépensé plus d'un million de good en moyenne. ILC se dit comme ça, dans le conseil, il y a deux personnes qui baillent. Il y a dit que M. Vertilaire qui paye lui-même deux fois, il rembourse BNC. Mais il baille plus. Mais il dit Gilles Bemba a un caca de 55 700 gouttes. ILC se dit M. Augustin, pas baron Yota. ILC se dit Lonique Léand également fait des achats sur quatre là. Puisque les gens ont 4 taux qui ont une limite de crédit 13 000 dollars sur 1500 dollars. Et on y a. Donc, ULC s'est dit diligence que nous avons fait pour courir retirer comme là. Donc, ça prouvait quelque part. Et on marché pressé. Donc, comme quoi, c'est comme il n'y a pas de rembourser, que les gens ne remboursé pour eux, etc. La personne de Raoul, bien lui. ULC s'est dit bon pacte de corruption qui conclut dans la rencontre qui fait entre Royal Oasis et Dinea. Pour ça, il dit. Continuer dans le texte, c'est parce que d'après lui, et Pape là a commencé depuis le l'unique client d'après lui, Raoul vient lui dans le téléphone. Lui a des numéros de téléphone là, qui est le numéro de téléphone de l'unique client, il dit d'après données ou bien relevé téléphonique, il joigne M. Léand Relé et Raoul 18 fois. 18 fois. Et même avant rencontre et Royal Oasis. Et ULCC dit sous base ça, il croit que c'est continuer. Et monsieur Tap continuer pour conclure le pacte de corruption entre eux. Donc, à ce que tu fais, monsieur? L'ONIC, non, son consul, lui. Oui, c'est un consul. C'est consul. Explique ça déjà. Santiago. Ok, on va. Non, quand elle sort, vous l'entrez là. Oui, bon. Quand elle sort, vous l'entrez là. Alors, mais ça, ULCC dit, nous allons venir dans la conclusion pour nous finir.
parce que probablement il y a des réactions, parce que sur le plan pénal, tant sur le plan pénal que sur le plan administratif, l'ULCC fait des recommandations. Pour le client, il a expliqué ça. L'ULCC dit que c'est sous nom de chambre réservée dans Royal Oasis, chambre 408. Nous disons que l'ULCC présenté comme des amis et M. Augustin. Ah, okay. Et l'ULCC dit qu'il y a joué des appels, etc. Mais l'ULCC dit qu'il y a remarqué une contradiction dans la déclaration que l'unique client fait dans le moment où il a auditionné. Qui ça, l'ULCC relève comme contradiction? Dans un même temps, l'unique client, d'après l'enquêteur ULCC, dit que c'est faux, c'est archi faux. Cette question de 100 millions de gouttes, pas de gens qui ont été parlés. Et non, second temps d'après ULCC, l'unique client dit, lui-même, il était là pour assurer de manger nèg yo, de boire nèg yo, à aucun moment, il n'y a pas de courant de teneur, échange qui était gagné. Donc, mon ULCC dit, yo, pas comprendre la contradiction ça. En premier temps, il dit, bon, pas de gagné comme ça. Et puis, non, second temps, et selon ULCC, l'unique t'a dit, lui-même, il n'y a pas de connaît teneur, discussion qui était gagné. Parce qu'il t'a fait monter des sangs. Oui, il t'a fait monter des sangs. Donc, de ce fait, monsieur, ULCC fait des recommandations. Avant de venir dans les recommandations, Johnny Gagné et Zamisa qui partageaient avec nous, qui disent que dans la loi finance internationale, le conseil n'a pas de droit à carte de crédit. Parce qu'il fait partie d'une catégorie qui relève personnes politiquement exposées. Ok, donc on sait l'explication qui baille, donc mais nous souhaitons parler avec citoyen ça dans le jour cap venir pour lui capable expliquer nous parti ça, mais il dit ça veut dire monsieur yo dans loi finance internationale là, donc conseiller yo pas gain droit à carte de crédit, yo dans une catégorie qui relève peuple personnellement politique exposé. OK. OK. Ok, les personnes politiquement exposées sont des personnes qui sont considérées au niveau international comme exposées à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux. Donc ça veut dire que ça n'est pas un droit à 4 de crédit. Ça veut dire que ça n'est pas un droit. Ça c'est pour grand connaisseur, ça va vous mettre. Bon, ça va vous. Après, vous n'avez qu'on est, vous l'expliquez. Yeah. Eh bien, sous l'administratif, il y a dit faut qu'il élabore, il faut qu'il adopte et puis publier et c'est exécutif la cap gagné ça comme responsabilité un code éthique agent administration public là supposé qui prévoit dans disposition article 23 loi 12 mars 2014 qui pour prévention à répression corruption hein, dans l'idée pour capable prévenir une série de pratiques tant que ça dans toute administration publique là pour vulgariser et c'est plus haute autorité dans l'état cap gagné pour faire ça guide pratique que ULCC lui-même l'a rédigé dans l'intention agent public qui peut-être prévenir les risques d'atteinte à la probité. Maintenant, sur le plan pénal, ULCC dit faut qu'Action publique mette en mouvement contre Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire et Louis Gérald Gilles pour abus et fonction, pour versement de pots-levés et corruption passive. Non, ça a un petit problème. Et mal parlant de conseil, versement de pots-levés. Qui ça? Parce que versement de pot de vin, avec du versé pot de vin. Vous comprenez pour Raoul? Parce que pot de vin, qui ça dit? Son bar ou bar en monde, qu'on pas de doué bar pour jouer à Raoul? Oui, un fonctionnaire. Oui, un fonctionnaire. Ça. Son cadeau, induit, c'est une cadine comme ça. Pas vrai? Donc si vous dites pour mettre action publique contre Negio pour abus fonction, ça me comprend ni. Peut-être que nous avons utilisé fonction comme président, pour aller dans nos chambres, aller parler à monde, pour aller faire mon opposition, si effectivement nous avons comme ça. Mais versement de pot de vin, je ne comprends pas. Réception de pot de vin, si vous voulez considérer 4 de crédit comme tel, mais versement de pot de vin, bon, m'bédu. Conformément à disposition article 5.5, 5.6 et 11 de la loi du 12 mars. Il a demandé tout pour action publique mettre en branle contre le nommé Raoul Pascal Pierre-Louis parce qu'il estimait monsieur a fait entrave au fonctionnement de la justice. OK? Et il utilisait fonction comme président conseil BNCA d'alors. OK, pour la chita par la nèg, ça a bu fonction jusqu'à ce que la fait nèg proposition, n'a décidé ba nèg au cadre de crédit en dehors de tout principe et qui tracé pour ça. Versement de pour les vins, capable comprendre ça parce que si vous considérez et 4 de crédit Raoul Baïdegui, octroyé Negio. Et comme tel, il est capable d'évoquer. Et puis corruption active.
On comprend? C'est des faits qui prévoient dans la loi 12 mars n'a pas l'air. Il m'a dit faut qu'Action publique mette en mouvement contre Lonik Léand parce que c'est lui-même qui était à la base du versement pour devenir ça, c'est lui-même qui était instigateur, c'est lui-même qui était commencé négociation selon l'ULCC, toujours conformément à la loi 12 mars 2014. Et dernier bah, là, monsieur, je me passe le débat pour me dire est-ce que l'ULCC doit faire ça ou pas, doit demander ça ou pas, est-ce qu'il ne peut pas de quitter à la justice pour dire pour date, c'est mandé, l'ULCC mandé pour mener, pimper tout net, Raoul Pascal Pierre-Louis. OK. Oui mais c'est pas la justice, c'est la justice. Parce que le rapport là, il pas le bail parquet. La justice parquet lui même va le bail. Oui oui, il s'est demandé autorité compétente au niveau de la justice pour mais est-ce que c'est pas ça me le dit, c'est pas eux même qui t'a regardé, c'est nécessité ou ça. Mais ça fait partie de recommandations. Oui. Oui, c'est non, c'est recommandations toujours conformément à disposition article 14. Et de convention interaméricaine contre la corruption, CICC 43, 44 et suivant, convention des Nations Unies contre la corruption du traité d'extradition qui existait entre la République d'Haïti et les États-Unis d'Amérique, et article 1er, loi 4 décembre 1912, qui a rapport avec extradition des criminels fugitifs. What's next? La police a dû adjoindre autorité de la justice. Léa est déjà gagné? Et pourquoi qu'on a on a vérifié ça. Alors, d'après le partage avant, les amis, ça partage avec on reçu une fiche de versement en gourde et qui datait 17 septembre 2024. Côté conseiller Vertilaire fait un dépôt 93 000 gourdes. Pour date. Deuxième versement. Oui. Parce que le défend premier déjà. Il défend premier. Oui, il fait deux versements. Mm-hmm. OK. Il fait deux versements. Deux versements déjà. Mm-hmm. Ah, en troisième. Ça fait troisième. 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 OK. Bon, ça m'a dit c'est chaque 17 dans mois et Vertilaire paye 4. Problème. Oui. Et faut ouais. Regarder tout 1 800 000 gouttes l'année qui fait calcul mathématique. Est-ce que effectivement là on prend 1 dollar américain pour 90 gouttes là, il paye 20 000 dollars américains. Oui. 1 800 000 gouttes. À 90 gouttes pour 1 dollar, est-ce qu'il baille 14 000 dollars? Mm-hmm. Maintenant, pour finir, le rapport a sorti. S'il n'a pas allé, il a dû le joindre et okay. La justice. Ok, comme il y a okay. Maintenant, qui pourra rapport ULCCA? Nous t'ai expliqué ça déjà. Si jamais c'est la justice qui pourra le gagner pour avancer, pour approfondir, ou bien. Pour faire jaillir la lumière par rapport à une série de indices, ULCC joigne pour le cas parler de corruption, pour le cas parler de pacte de corruption, etc. Mais sur le plan politique, il y a un rapport d'une importance capitale. Oui, oui. Tout est clair. Et Mbappé Bomati, dans l'opinion, il y a pas eu bien même. Donc, pour un peu le monde de la population, là, ULCC a vili, monsieur. Je suis en parlant de conseiller. Et ça n'est pas sans conséquence, c'est clair, guerrier, sur l'avenir politique du pays. Il n'est pas sans conséquence sur l'avenir pouvoir transition. Il n'est pas sans conséquence sur l'avenir conseil présidentiel transition à l'approche de la date du 7 octobre, qui, selon la résolution que tu prends dans le temps CPTA ensemble avec le décret 29 mai, dans le cadre de présidence tout notre et d'où gagner Smith Augustin qui vient remplacer Edgar Leblanc. Et même j'ai fort ou bien même initiative ou SVT a pris pour convoquer ministre pour demander explication, etc. Mbappé Bomati avec la sortie de ce rapport, j'allais abaisser. Et ça fait hier, m'a parlé aux amis, m'a dit faut essayer de garder le timing, il a annoncé le rapport à tout. Le rapport, c'est vrai, il sortit aux environs de 13h. C'est vrai que mon qui était annoncé que l'a sorti mercredi, mais dans leur annonce il y a des gens qui croient tout carrément il pas innocent par rapport avec convocation ministre affaires étrangères là t'es gagné dans niveau CPTA il a d'accueil même lettre Gary Koni écrit CPTA pour le recadrer et que pour le fixer rencontre là pour vendredi ou après pas trop parler de lui. Il y a beaucoup moins de lettres ça même parce que tout simplement tous les yeux étaient rivés sur l'ULCC avec rendez-vous au débat aux environs de 13h là. Nous t'expliquer ça, ils sont déterminants politiquement
pour ça que pral dessiner là parce que il y a monde qui était clairement dit et il y a tenu rapport ULCCA. Mais qu'on y a est-ce que conseiller obligé esclave de rapport ça nous t'ai analysé ça là déjà. Nous t'ai dit comme ça là on doit dire bon là c'est l'ULCC. Maintenant il faut attendre la justice etc. Donc on sait ça. On va en payer. Juge la gagne doit pas esclave ça hier c'est dit là rapport elle doit recommencer à zéro. Par contre vous comprenez comme ça tout le monde doit considérer un ensemble d'indices que ULCC souligné là et puis l'avancer. Mais ULCC on peut toujours estimer que il va pouvoir dans pile faille en pile cohérence en pile ambiguïté etc. Mais fait travail pas là. Oui non oui, parce c'est... que et moi c'est on se rappelle non ULCC lui même l'a cherché indice. Ah veut dire estimer le jeunesse. Bon, selon eux-mêmes. Okay. S'ils demandent pour eux, pour mettre l'action publique en mouvement contre M. Yo, c'est parce que les jeunes assez, selon l'enquêteur. Ouais. Donc, il y a toujours un questionnement, mais et c'est la justice qui lui-même qui a approfondi tout ça, qui apparemment c'est des indices dans le document, et bien pour avancer. Pour finir, M. Yo, je vais vous dire, souvent, M. Yo, le plan judiciaire, est-ce que nous avons attente par rapport avec rapport ULCC à Mabzouma. Rapport ça, la fait bruit, la kembe débat, etc. Et puis après ça, la prenante côté de rentrer, et le fini, je ne pas qu'être l'autre rapport ULCC pour Dieu de la vie. Désolé de le dire, m'da bien aimé, m'a toujours dit ça, m'a défendu le rapport ULCC. M'da bien aimé que y a des rapports ULCC pour Dieu et que la justice saisit de yo et la justice fait bah, j'en le fait yoa pour moun qui mérite à le côté de lui aller à lui. Mais malheureusement, on regarde depuis le ULCC a produit rapport jusqu'à jeudi à combien de rapports qui arrivaient. Je te barre aux chiffres. Donc, sur le plan judiciaire, malheur. Son seule condamnation. Malheur à celui ou celle qui pensait que nous allons arriver à le faire. Par contre, sur le plan politique, attention. Sur le plan politique, toute bagarre est possible. Oui. Sur le plan politique, toute bagarre est possible. Et qui s'amène toute bagarre possible là, conseil à nous a réduit. Conseil la doit changer de composition. Conseil la doit être conseil. Sur le plan non. Politique, tout bagage aussi. Non, mais ça, parce qu'il y a des secteurs qui ont besoin d'éléments dans la main pour être capable d'avancer sous velléité ou gain pour remplacer le représentant. Yeah. Et vous pouvez appuyer sur le rapport ULCCA. Quel que soit sorte à gagner comme réserve sur le rapport. Vous pouvez appuyer sur eux. Même l'international a dit qu'il involve dans le pouvoir ça, ou bien qu'ils mettent le pouvoir ça. Il a appuyé sur le rapport ULCCA pour demander secteur yo remplacer Mounio ou bien pour demander Mounio démissionner etc. Maintenant est-ce que conseiller qui en question yo même yo pral à partir de publication rapport a décidé démissionner ou bien tout yo va continuer faire ça ou doit faire pour défendre ça ou les honneurs etc. par rapport à ça ou comme réserve sur rapport a pas connait mais ça que certain rapport a quand même les changer de nouveau politique. Dans les prochaines heures, dans les prochains jours, il y a des discours qui peuvent changer, il y a des discours qui peuvent évoluer, et il y a des décisions importantes qui peuvent prendre pour le pays. Mais malheureusement, nous éternisons dans ça, qui vient de faire que nous ne sommes jamais capables de statuer nous sur vrai chantier. Nous juger priorité en transition ça, nous ne jamais avancer sur une série de problèmes sérieux nous gagnons. Et les gens qui ont gardé nous là pour nous, et les gens qui ont annoncé que si monsieur a examiné vos diables, a brûlé dans nous. Et pendant que nous avons pensé, nous avons distraction avec question de qui prend cop, de qui ne prend pas cop, de qui vole, de qui ne vole, de qui n'a pas corruption, de qui ne pas corruption. Pas étonné, nous avons continué à frapper là. Pour casser, nous avons vu que nous avons kidnappé.